Continue. Et bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode, toujours sur Pokémon Rouge dans Regard en Rétro et Jake au micro. Nous sommes arrivés à Azuria. Et voilà, et l'idée c'est de farmer la reine Azuria. Et y'a quoi d'autre? Y'a pas un truc caché là? Attendez. Genre là. 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 Putain, il est où? Yep. Mais si, attends. Ah, voilà. Il est invisible, mais il y a un super bonbon. Et le monsieur me dit quoi? Les badges sont portés par l'adresseur, blablabla. Ça va être un tranche pouvoir, dis-moi. Lequel est de... Ah oui, c'est la définition des badges. Non, non, on s'en fout. Dans la poubelle, il n'y a pas un truc? Non. Ok. Donc on fait une petite visite de Azuria rapidement. Très rapidement. Il faudra passer à la boutique d'ailleurs. Bien le bonjour, veux-tu échanger tes tartes contre l'Ipoutou? Je n'ai ni l'un ni l'autre. Comme ça, au moins, c'est fait. Ok. Donc, ça veut dire que lui, il pourra nous fournir un Lipoutou un jour si on a besoin. Viens là. Viens là. Mais c'est pas vrai. Ok. C'est tout. C'est puissant. Il doit y avoir un moyen de le passer. Ouais, mais pas pour le moment. Bicyclette. Oui, je sais. Alors, on n'aura pas la bicyclette maintenant parce que. Voilà. C'est un peu abusé quand même. On l'aura Grastos un petit peu plus tard. Avec un bon. Demoiselle. Oh, ouais. C'est pas intéressant. Il y a un panneau là. Appuyez sur B pendant une évolution, l'annule. Oui, mais non, moi, l'évolution, ça me va très bien. Flagados ignore les ordres. Oui, parce que t'as qu'à l'éduquer un peu mieux, hein, c'est tout. Et alors, oui, je voudrais acheter des Pokéballs parce que j'en ai plus beaucoup, j'en prends 10. Des potions parce que j'en ai plus beaucoup non plus, j'en prends 5. Un antidote, je vais en prendre 2 parce que ça sert toujours au cas où. Anti-brûle, anti-réveil et le reste, non, ça ira. On le garde. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de faire l'arène d'eau. À moins de faire Léo. C'est vrai qu'on pourrait aller voir Léo. Léo, c'est celui qui va nous mettre des pages en plus dans le Pokédex. Et merde. Salut Doppel. J'avais complètement zappé qu'il y avait un défi rival ici. 4 Pokémon. Salut. Moi je suis 21. Est-ce que ça... Forcément, je pars désavantagé si je fais comme ça. Carabaf. Bonjour. Au final, les potions seront utiles à un moment donné. Ça fait mal. Je pars désavantagé. S'il me fait un critique, je suis mal. Je suis mal. Objet. Une potion directe. Et là, il dit... Putain, pardon. Non. Pistolet haut.
Voilà. Abra? Il a capturé un Abra? Sérieusement? Moi aussi je suis un Abra. Et par contre s'il a que téléport, c'est pas intéressant. Téléport à la télévision de tous les ports de pêche. Sur 4. Ah. Il n'y a que le niveau sans ratata. 15. Ça peut le faire. J'aime bien les pistolets là-haut. À condition que ça marche. Non! Ouf, putain! Ah, oh, j'ai chaud! Accro de mort, c'est l'attaque de Ratata que je crains le plus. Ça fait tellement mal! Là, par contre, oui, je change de Pokémon. Carabeuf contre Bulbizarre. Par contre, il n'a pas fait évoluer son Bulbizarre. J'ai vaincu Doppel. Bla bla bla. Allez. Retour au centre Pokémon. L'objectif de cette vidéo sera de faire le ponton là pour aller voir Léo. Il y a 5 dresseurs plus tous ceux sur le Ah, la vidéo risque d'être longue quand même. Je sais pas si on pourra enchaîner avec la reine juste après. Parce que la reine, je pense qu'avec Roucoupe ça peut aller. Non, je change pas de Pokémon. Heureusement, il m'a pas empoisonné. Ce qui me dérange le plus dans le poison, c'est pas qu'il m'empoisonne dans le combat. C'est ce qui se passe après le combat. Oh, bien. C'est-à-dire que... on reste empoisonné hors combat, et plus on marche, plus le Pokémon prend du poison dans la tête, en fait. Et ça... c'est chiant. Ça fait mal. Que 6 points de vie en 2 combats, c'est correct. Et de 3. Oh, sérieux.
Là, par contre, c'est plus emmerdant. Voilà, c'est ce que je craignais, ligotage. Alors certes, là comme ça, ça fait pas beaucoup de dégâts parce qu'on a quand même une sacrée différence de niveau. Mais quand c'est de même niveau, je peux vous dire que ligotage, ça fait mal. C'est du spam du bouton depuis tout à l'heure de toute façon. Niveau 23. C'est le quatrième, lui? Cinquième? Cinquième. Sachant qu'il y a celui d'en haut qui va nous faire chier. Faudrait que j'arrive à attraper un Pokémon plante aussi. Féroce! Mais cette blague! Mais non! Oh, mais ce troll! Ah, je vais le démonter, lui. Je le démonte. Non mais, j'ai pas réussi à en avoir, je vois pas pourquoi est-ce que toi t'en aurais, hein? Félicitations, tu as battu les 5 dresseurs. Tu as gagné un fabuleux prix. Veux-tu rejoindre les rangs de la Team Rocket? Nous sommes des dresseurs de Pokémon très méchants. Ça t'intéresse? T'es sûr? Allez viens, on est bien. Bon, je t'ai dit de venir avec nous, je vois. Je vais montrer plus persuasif. Combat. Je devrais pas craindre grand chose même avec son ligotage, mais bon, j'aime quand même pas. Bon, moi ça c'est fait. Bon, c'est bon. Arg, tu es très très fort. Y a pas une bouboule là-haut? Si. C'était 45, qu'est-ce donc? Cage éclair, ouais, mais pour l'instant je n'ai pas de Pokémon électrique. Alors avant, voilà, c'est lui que je voulais. Tant qu'à faire, on fait le dresseur. Et je crois que là-dedans, il y a des Pokémon plantes et moi, ça m'intéresse. Ratata. Non, je garde. Thank you.
Allez, c'est parti pour un Pokémon plante. Je crois que là-dedans, il y a Misterbe. Hein. Oh, cool, super. Misterbe. Comment il s'appelle l'autre? Boostifleur. Chétifleur, voilà. J'aimerais bien avoir un Chétifleur. Ou un Misterbe. Alors l'idée là c'est pas de le démonter, t'as 11 niveaux d'écart. Toi tu vas aller dans la boîte de toute façon parce que je ne prendrai pas Ras plutôt. Je sais pas si ça vaut le coup. Je sais même pas quelle attaque il a. Griffe, oh, ça peut aller loin quoi. Oh, ça peut être intéressant. Par contre, il régène. Je ne vais avoir. Je vais mettre un peu de temps avant de capturer le mystère. Hein. Bien un petit coup de griffe en plus quand même. Voilà. Et là, je lance une Pokéboule. Une Pokéboule. Voilà. Mais je préférerais quand même avoir un Chétifleur. 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 Je fais qu'un seul combat de plus, après on va voir les autres. Chétifleur. Oh ah, bah. Alors là, j'ai pas le droit à l'erreur. Et j'ai rien pour l'endormir. Mais du genre. Rien du tout en fait. Oh putain. Prions, prions, prions. Je touche du bois, je touche du bois, je touche du bois, je touche du bois, je touche du bois. Oui! Pardon, désolé, c'est la joie de vivre. Ah, là, je suis content. Ah. Mais c'est un Chétifleur que je cherchais quand même. Donc. J'en ai déjà un. Chétifleur, j'ai dit. Chéti, chéti, chétifleur, fleur, fleur. Bon. Ok, il n'y a pas de chétifleur. On va s'en aller de ces herbes. En fait, je voulais juste monter à niveau, vous voyez. Par contre, il va falloir que je heal mon petit Roucoups. Un truc là-haut? Non. Là-haut. Il y a des herbes. De Provence. Il n'y aurait pas, là, par hasard, un Chétifleur? C'est une blague! C'est une pute. C'est une grosse blague. C'est une blague, c'est tout. C'est une blague, c'est tout ce que j'ai à dire. Si je dis que c'est une blague, c'est plus pour vous rappeler l'épisode 1. Ou 2. Ou les deux. Où j'en chiais pour avoir un criquet d'acier. Parce que je n'en trouvais pas. Objet Pokéball. Parce que l'idée d'avoir un Crisacier, c'était d'avoir un Papillusion rapidement pour avoir choc mental. Sauf que là, Papillusion, c'est pas de suite quoi. Non. Et c'était un Chétifleur que je voulais de toute façon. Je n'ai pas de Pokémon plante réellement, à part le mystère, mais. Ah.
me recoupe, c'est plus beaucoup de vie non plus, je le heal. Comme je disais tout à l'heure. Oh mon dieu, comme je disais tout à l'heure. Un petit... Ou pas. Je vais dire un petit point sur le timer, mais... Il lui reste quand même 10, 9. Ouais, 9 du coup, tornade. Maintenant, on dit 8. Point timer. Oh, ça va. On va heal. On recoupe deux fois. Voilà. C'est déjà pas mal. Et c'est parti pour enchaîner les combats. Apparemment, si c'était du Mont Sénith, j'ai dû sortir Karabaf. Il y a des chances que je sorte Karabaf. Je vais sortir Karabaf. Même si avec Roukoup ça devrait le faire, mais Karabaf doit être XP. Vous allez voir, je vais faire l'aventure quasiment qu'avec deux Pokémon. Je dis pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à dire là sincèrement. Au suivant. Au suivant. On va tous les faire. De toute façon. Bon, flemme de sortir Karabaf. Non, on va sortir Karabaf en fait. Aïe, étreinte. J'arrête de spam comme ça. Du coup j'appuie trop vite sur le bouton, c'est pas du tout ce que je veux quoi. Y'a un truc là? Non. Ramolos. Ouh, ça par contre. Pas de dégâts toi-même. Non. Je vais pas me faire battre par un Ramolos, sérieux. Non.
Non, 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 non. Non. Putain. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mon ordre de Pokémon du coup, parce que le coup confort, j'ai plus vraiment d'XP en fait. Mettre Paras, Carabaf. Ouais, j'ai XP Rakaïbou aussi. Il reste combien? 1, 2, 3, peut-être 4, 4 dresseurs. Non, c'est bien, on s'en fout. Posons pas, s'il te plaît. Ah, Nidoran. Non, je change pas de Pokémon. Pas très efficace. Oh, sérieux. Je sais, je sais. Le truc, c'est que je ne me souviens pas après ce que les autres dresseurs ont comme Pokémon. Donc, je sais pas si ça peut passer. J'ai quand même utilisé l'antidote. Et une potion. On va d'abord faire lui. Quatre Pokémon. Non, non, pas reste. Non, je change pas. C'est pas celui qui a 4 cailloux, celui-là, là. Non, c'est pas lui. Un niveau en plus. Alors lui, voilà. 1, 2. Comme ça au moins il me laisse ouverture. T'as quoi comme Pokémon? 2. Radata. Non, Paras. Okay.
Non. Et oui, comme ça c'est la petite technique pour aller chercher la bouboule en fait. Là c'était... C'est quoi ça? La 19. La 19. Frappe Atlas. Non, par contre la 45, attends, c'est... Que j'éclaire, non. La 1. Ultima point, oui. Ah. Rakayu. Putain, Karabaf, il peut. Et... Rakayu aussi. Parce que oui, j'ai utilisé Rakayu plus souvent quand même à un moment donné. Voilà. Allez, direction chez Léo. Est-ce qu'il y a un autre dresseur? Oui, il y en a un là-haut. Il y en a deux, il en reste deux. Allez, c'est parti. Ce qui va clignoter. S'il me fait ligotage directement, par contre, ça me fait chier. Bon, ça peut aller. Il y a un petit critique, Karabaf, s'il te plaît. Par exemple, c'est très bien. Perfecto. Trois Pokémon. Je serais pas d'une grande utilité avec Karabaf, mais... Là, je veux farmer. Je sais que c'est très efficace. Je sais. Ça me pose un problème. En plus. J'aurais dû passer au centre Pokémon. Tant pis. Si elle a tous ses Pokémon en plante, je suis dans la merde. Parasement tout niveau 13. Tu veux. Oh cool, non. OS. Oh. C'est pas cool. Non, oh non. Je te heal, mon gros. C'est mon dernier heal. Ça ferait 4 charges à peu près. Je sais pas si ça tiendra. Oh oui. Hmm.
Allez, c'est bon, direction chez Léo. Salut Léo. Et voilà, Léo. Collection de Pokémon, blablabla. Le passe-bateau qui va nous servir pour plus tard pour monter à l'océane. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Non, d'accord. Tac, tac, on rentre. Si je fais ça, c'est exprès pour montrer un truc. Et voilà, on peut voir Evoli, Pyroli, Voltali et Aqualie. Et voilà, ça nous complète des pages de Pokédex, donc c'est pas de refus, 4 pages. Bien, un petit point sur le timer. Ouh, ça fait un très long épisode ça. Et écoutez, on va au centre Pokémon, on se régène, et je vous propose de faire l'arène d'Azuria dans la prochaine vidéo. Et le temps de marcher jusqu'au centre Pokémon, vous connaissez la chanson. Facebook, Twitter, site, etc. dans la description. Demain mercredi, Pokémon jaune, Ralga. Vendredi, Pokémon vert, Tauren. Lundi prochain, Pokémon bleu, Yakipon. Hop là, centre Pokémon. C'est parti. Et voilà, du coup, ben, à la semaine prochaine. Ciao.